Après, en général, Mais il y a c'est un peu quand plus même tard. des oiseaux sortis. Ça va pas tarder ou c'est fini, je sais pas. Ouais. Si t'as un 5 le plongeur qui balade dans le coin, t'es au bon endroit. Ouais, les bergerons en Yep. c'est pareil. Aussi. Elles sont plus nombreuses, donc c'est facile de voir. Ouais. Tu mets du combien en bas? Un 12, juste tout à l'heure. Merci. Tu mets combien de longueur? Oh ben là, tu peux mettre un bon 1,50 m, presque 2 m. Ouais, écarte les bras, en 80, ta Bon, taille. je fais pas un 80. C'est un 70? Ou un truc comme ça. Ah ouais? Oh ben 1,70 m, ça va, Bah, presque. Tu veux un autre? pour faire la potence. Voilà. Tu l'as fait à quelle distance du bas la potence? Ça dépend Ça dépend là où tu pêches, mais. là où je pêche, ça dépend de si j'estime que les poissons vont pouvoir se décoller du fond ou pas. Et pour ça, pour la température. C'est ça qu'il me faut, c'est un thermomètre. De centimètres du fond. 40. Je sais pas ce qu'il faut, moi. Choisis. Et toi, tu prends la bonne et moi, je prends celle qui me plaît, c'est ça? Prends ce que tu veux. D'accord. Je partirais bien sur une nymphe de marche brune. Et là. Je peux pas t'en dire plus, regarde, il y a rien qui vole. Je l'attrape si tu veux. Je vais te piquer le spot comme ça. Je l'ai loupé, j'en ai loupé. J'en ai vu deux hein, qui sont venus voir mes nymphes. T'sais, j'ai vu le reflet vers mes nymphes, mais une que j'ai loupée, une qui n'y a pas pris. Tu l'as filmé celle-là, elle est jolie, elle a une jolie couleur. Ah, je te filme quand même, ouais. Ah, elle est bien jaune là. Elle est belle, ouais. Avec toutes ces herbes, c'est un peu sport. Je suis pas grand, moi. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est du joli poisson, mais c'est pas énorme non plus. Ça se. Ça vient. Voilà. Je vais pas dire ça se bride, mais ça se. Ça se gère à peu près encore. Voilà. Malgré les herbes. Ouais. Voilà. Un poisson à la robe somptueuse, celle-là. Quand elle est dans l'eau, on dirait pas qu'elle est si grosse. Hein. Allez, prends un plat. Allez, j'essaye. Après, tu l'as bien pensé, c'est pas pour autant que t'en as fait 15, hein, mais j'essaye. Allez. Ces éclosions aujourd'hui, c'est un truc de barge. Hein. J'espère.
poisson. Ouais, rayon de soleil, ça a piqué. Faut qu'il fasse la lomée entre les algues. Ah bien. En fait, dès qu'il y a un nuage, ça sert à rien de lancer. C'est ça. Elle est belle en plus la mienne. Hop. Décroché ? T'as cassé ou décroché ? Allez. Repars pas par là-bas. Allez, passe par-dessus. Hop là. Voilà. Tu me fais une petite photo ? Ouais. Elle est belle. Elle est belle ? Ouais. Yes, bon voilà. Ça fait combien, 40 passés hein? Ouais, c'est 42, 43. Voilà. Ouais. C'est un beau poisson. Très beau poisson, ouais. Parfait. Nickel. On est bon? J'ai un pantalon plus un collant épais. Bien. Elle a pas l'air dégueu, ouais. Non. Elle revient. On l'a filmé. Si t'arrives à la récupérer. T'as tout cassé ? Non. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Oh, elle est grasse, elle a une petite tête et un corps énorme. C'est pour ça que je suis un poisson soupli. Elle était quand même encore. Ouais, pas mal. Elle est belle. Ça va être bien ça. Ah ça? Ok. Ah, décroché! Je l'ai vu le reflet quand je l'ai piqué en plus, je l'ai senti. Fiche! Elle est moins grosse.
Ah, elle a vu l'épuisette. Joli petit poisson. Bon, ça fait quand même pas loin de 35, hein. Allez, viens par là. Viens prendre une photo. Voilà. Ouais. Allez. Wow, elle est vénère, ça. Qu'est-ce qu'elle me fait? Non, mais je pense qu'il faut monter. On l'a déjà bien poncé, la zone. Parce que là, regarde, j'ai fait une première dérive, juste un peu plus haut. Et bim, de suite. Elle a tombé, bim, ça a pris de suite. Faut, je pense qu'il faut aller sur des zones qu'on a moins pêché. Elle m'a fait un truc, là. Elle a fait du surf, elle. Ouais, je pense, ouais. Bah, sinon, elle a pas de chance. Ça les rend folles? Ah, si, elle est prise par la gueule. Hein. Hop là. Ah, bah. Je dois les faire maintenant. Ouais. Plaf. Bon, vous l'aurez pas vu. Ouais, c'est au... Ah, décroché. Ou cassé, non. Décroché. Putain, non, cassé. Oh non. Poisson. Oh. Oh, 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 oh. Elle me met dérouillée, la pitchoune. Ah, comment elle est partie, la pitchoune. Au début, je pensais qu'elle était grosse, elle est partie d'un coup, elle montait pas en surface. Ah, ok, elle est piquée par le côté, c'est pour ça. Et c'est une arc aussi, c'est pour ça. Voilà. Blouf. En fait, elle a tapé dedans, j'ai senti le truc, elle l'a lâché. Et j'ai, au moment où j'ai ferré, je l'ai piqué par le côté quand elle partait, quoi. Parce que j'ai senti la touche, j'ai ferré super tard. Bon, voilà, fin de cette petite session avec Romain. Voilà, il est encore en train de faire trempette. En train de faire trempette dans l'eau. Et j'espère que cette petite épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais pas mal appris sur le toc nymph avec Romain. Romain qui est guide de pêche. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description. Si vous voulez apprendre avec lui, il fait des guidages au toc, à la nymph, un petit peu au leurre pour le carnassier. Mais vraiment spécialisé truite.
il est très très bon à ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté sur cette petite session de quelques heures seulement. En tout cas, n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.